get drunk. Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Sprod, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma toute première vidéo, donc sur les news, donc ce qui est arrivé pendant le week-end. Donc c'était lundi, un truc comme ça. Un nouveau challenge vient de sortir, donc le Charlie Challenge. Donc en quoi il consiste, c'est vraiment très très simple, c'est vous appelez des esprits. Vous appelez l'esprit de Charlie, s'il me semble que c'est ça. Vous appelez l'esprit de Charlie et vous lui posez plusieurs questions. C'est un peu comme la table de Ouija, sauf que là vous avez un bout de feuille et deux crayons. Voilà, donc je vous mets un screen des images à l'écran de ce fameux challenge. J'essaierai de vous mettre une vidéo si j'arrive à en trouver une. Voilà, donc moi les trucs comme ça, je vais donner mon opinion déjà. Les trucs comme ça, du genre les esprits, tout ça, je suis pas vraiment un gars qui va y croire, forcément, mais... Donc je ne crois pas ce que je ne vois pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait ce challenge. Je sais pas si je vais le faire encore, je vais voir, je vais peut-être le faire avec des amis, on verra. Comme ça, vous serez sûr, on sera sûr que ça sera vrai. Donc je ferai une vidéo, en tout cas si je le fais je ferai une vidéo, je vous annoncerai sur Facebook, je fais le Charlie Challenge, je vous mettrai un bout de vidéo donc sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, c'est vraiment important si vous voulez voir cette vidéo les gars. Je sais pas encore si je la mettrai sur YouTube, peut-être, peut-être pas, je verrai, ça dépendra si vous la voulez ou pas. Voilà, donc on retourne au Charlie Challenge. Pour moi c'est pas un truc à prendre à la rigolade les gars. Jouez pas en faisant n'importe quoi à ce jeu. Voilà, c'est pas un truc de dingue non plus, mais il y a plusieurs articles qui nous disent que voilà, c'est, vous appelez pas forcément la bonne personne, vous appelez souvent des démons qui prendront possession. Possession, non, je dis un peu n'importe quoi là, voilà, je dis de la merde, bravo, c'est super. Non, donc vous appelez en fait vraiment des démons apparemment, hein, j'ai lu ça dans un article, vous appellerez des démons. Et en fait, bah, pour l'instant, au premier abord, ça a l'air d'être un super gars, Charlie. Et en fait, après, bah, c'est là que ça va se compliquer. Vous allez voir des apparitions, des bruits étranges, des voix, plein de trucs comme ça, des objets qui vont bouger et tout. Et la fin de cet article, on nous dit surtout, si vous jouez à ce jeu, dites au revoir à Charlie. En fait, pour stopper carrément le jeu, sinon vous jouerez encore en fait au jeu. Et pour stopper ce jeu, il faudra dire... Au revoir Charlie, enfin je sais plus c'est quel mot exactement, je vous le mettrai en description. Donc surtout regardez la description, là, coupez la vidéo, allez voir la description si vous jouez au jeu. Et en fait il faut dire au revoir à Charlie à la fin, sinon ça n'arrête pas le jeu et vous continuerez toujours à avoir ces démons avec vous. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez fait ce jeu, si vous c'est vrai, si c'est du fake ou pas, dites-moi dans les commentaires. Je vous dirai moi aussi. Pour l'instant, je sais pas si c'est du fake ou pas, donc je vais vous dire ça plus tard. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.